diffusée dans les mondes électriques. Ici un numéro 4 de chez VLC. La référence est en tête. Et avec ma soie de montage, je vais jusqu'à la courbure pour faire un support. Alors ici j'emploie de la soie Tinville Palma Exterpus. C'est une soie qui a l'avantage d'être très très solide et qui voit très très bien la colle. Pour faire du streamer à brochet ou à gros carnassier où il faut mettre beaucoup de colle, on a affaire quand même à des belles mâchoires. Donc collez à chaque ligature, vous collez. Donc là je place une bandelette de lapin 3 mm. Alors la couleur n'importe peu, hein. C'est vous qui déciderez de la couleur, hein. Suivant le temps, suivant les poissons pour chercher. Là ici on fait un streamer moyen. Perche, balbasse, brochet aussi, mais surtout perche et balbasse. Vous mettez une petite mèche de bril de chaque côté. Bril, cristal, flash, suivant les marques. Voilà. Pour le côté. Je donne un peu de brillant avec des éclats. Bien sûr, la colle. C'est une bande de lapin, toujours en 3 mm. Je me positionne à l'avant. Et je vais enrouler cette bandelette. À chaque tour, bien sûr, je repositionne les poils vers l'arrière. Vous pouvez poser des yeux si vous voulez, comme on a mes petits yeux qui ferment sans poids, qui sont des streamers qui sont déjà lourds en niveau de deux. Bien compliqué à faire, ni trop long. Alors ce qui marche bien aussi, c'est devant noir, ça vous voyez marier les couleurs. Allez, le final, on va forcer tout ça avec de la colle. La longueur de la queue en coupant en biseau. Moi je compte deux fois la longueur de l'hameçon, c'est bien. Voilà.
voilà. À employer avec une soie intermédiaire. Moyen à faire en plusieurs couleurs. Voilà, bon montage et à vos épaules.